Le fils de l'un des pires tueurs en série français a été mis en examen pour tentative de viol et agression sexuelle sur mineurs. Il s'agit de Selim Fourniret, le fils unique de Michel Fourniret, surnommé l'Ogre des Ardennes, et Monique Olivier. Ensemble, ils ont kidnappé et tué plusieurs jeunes filles dès la fin des années 80, en utilisant notamment leur fils comme appât. Le couple fait connaissance en 1984. Ils s'installent ensemble dans Lyon en 1987 et mettent rapidement en place une stratégie pour kidnapper des jeunes femmes, dont certaines mineures. Monique Olivier attire et rassure les victimes, et Michel Fourniret les viole puis les tue. Ils font croire qu'ils cherchent leur chemin ou un médecin pour leur enfant. Et la naissance de Selim en 1988 aide grandement le couple à mettre en confiance les victimes. En tout, Fourniret a reconnu 8 meurtres, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Fourniret a finalement été arrêté en Belgique en 2003. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à 2 reprises et est mort en 2021. Selim, lui, a d'abord été confié à son oncle juste après l'arrestation de ses parents. Il avait alors 15 ans. Mais aujourd'hui, Selim risque jusqu'à 15 ans de prison, même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés.